Alors, comment tu t'appelles? Tania. Tania, moi c'est Degame. Enchanté, Tania. Alors, dis-moi une vérité que t'as jamais avouée à ton ex. J'ai baisé avec son cousin. Quoi? J'ai baisé avec son cousin. Hey! Mais c'est vrai. Les gars, vous avez entendu ou pas? Bah, y'a rien de mal. Sérieusement, y'a rien de mal, c'est son cousin. Il m'a trompé mille fois. Ah! Regarde donc, la médaille. C'était la vengeance en voilà. Fait. Voilà. Non, je l'aimais son cousin. Différent, c'est encore pire. Y'a eu de l'amour et tout. Donc c'est encore pire. Ah ouais? Ah bah oui. Attends. Il est au courant de ce que tu dis ou là, c'est, là il va l'apprendre là? C'est pas grave, il saura pas de qui je parle. Entre ton ex là, ouais. Et son cousin, ouais. Qui envoyait bien? Qui envoyait bien au lit? Qui démontait bien? Son cousin. Bah quoi, c'est vrai? Franchement, je manque des mots. Franchement, je manque des mots, je m'arrête là. Dis-moi une vérité que t'as jamais avouée à ton ex. Qui paye de la. Oh. En fait, ça s'est arrangé parce qu'à la fin, quand on s'est croisé un jour comme ça, je lui ai dit. Mais. Il y a des gens, c'est peut-être des problèmes sanitaires. Ouais, c'est des problèmes sanitaires. Mais en fait, le problème, c'est que parfois, il oublie de se brosser les dents. Ah ouais. Mais t'as capté pour des choses comme ça, c'est pour ça que je l'embrassais pas. Et au fil du temps, je pense qu'il a su. Mais il me l'a pas dit. Ouais, des choses comme ça, j'ai ouais. Personne plus de la. On a vraiment du mal. Ouais, aussi les styles vestimentaires, les bails de s'habiller comme un peu un blédard. Je suis pas un blédard. Franchement, je déteste. Est-ce que tu peux me dire une vérité que t'as jamais avouée à ton ex? Je l'ai trompé de ouf. Wow! T'as trompé ton ex de ouf? Ouais, c'est lui qui a commencé. Ah ouais. D'accord. Mais tu te faisais pas cramer? Non. Non? Tu l'as trompé avec combien de gars? Environ 3. Ah ouais, il cramait jamais. Non. Pendant combien de temps ça? 5 ans. Quoi? Pendant 5 ans? Mais non, arrête. Là, on peut dire que c'était une dizaine de fois même. Ah non? Ben oui. Non. 3 fois, ça suffit, non? Les gars, faites attention avec les femmes. Hein. Elle se faisait tromper. Elle s'est vengée. En trompant aussi son chéri. Franchement, c'est fort. Hein. Vas-y, on t'écoute. Qui peut être là? Wow, un garçon? Ouais. T'étais quand même là? Bah. Ah. Bah, j'ai quitté pour ça. Oh, mais heureux. Wesh, fallait en parler avec lui quand même. Non, ça c'est des trucs. Wesh, il se lave pas le zizi. C'est pas. Non? Ah ouais, ça se dit pas. Mm-mm. Mais quand il y a l'amour, quand tu tiens. Ah, oh, personne. Non, quand tu n'es pas propre là, c'est pas la peine. Ah ouais? Ça a même pas duré. Bon, là il va l'apprendre dans cette vidéo. Y'a pas de soucis, tu peux. Mon gars, la propreté c'est important, un petit message pour les gars en général. Lavez-vous le avec le savon bien, vos ici c'est pilé. Je sais pas pourquoi vous laissez vos poils. Voilà. Les poils également. Une vérité que t'as jamais avouée à ton ex? Bah en vrai, je suis pas du genre à cacher les choses, justement pas. Je suis quelqu'un de très ouverte et qui assume tout ce que je fais, donc... Y a pas une vérité que... Non, honnêtement non. D'accord. Dis-moi une vérité que t'as jamais dit à ton ex. 368. Je savais qu'il mentait. Ah, tu savais qu'il mentait? Oui. Sur quoi? Sur votre relation? Il était pas trop sérieux? Ouais, on va dire ça. Ah ouais? Mais pourquoi tu faisais semblant alors? Non, parce que je suis mature et que je laissais couler les choses pour voir jusqu'où il allait aller. Tu pensais qu'il allait peut-être changer? Non, du tout. J'étais persuadée que ça servait à rien. Aïe. Mais t'étais quand même resté. Je suis du genre à accorder des chances. Après voilà. Par amour, t'es quand même resté, mais. Super. À part ça, il n'y a pas un autre point, peut-être des leçons que t'as tirées par rapport à cette relation, ça peut édifier des gens qui me regardent. Pourquoi pas? Arrêter de penser trop aux autres et penser un peu plus à moi-même. Waouh, c'est ça le conseil que tu donnes. Voilà. Bah, imagine, vous vous aimez déjà ensemble. Arrêter de penser aux autres, plus aux autres qu'à moi-même. Ça, je n'en demanderai jamais. C'est réglé. C'est décidé, c'est assimilé, tout ce que tu veux. Salut. Salut. Comment tu t'appelles? Priscilla. Priscilla. Priscilla, tout à fait. Priscilla, enchantée, moi c'est Degame. Enchantée. Alors, de quelle origine? Angola-Congo. Angola-Congo. Oui. T'es plus congolaise? Plus congolaise, ou... plus ah ouais congolaise. Mais comment ça se fait? T'as vécu au Congo? Non, j'ai plus grandi avec ma mère qui est congolaise. D'accord. Voilà. Comme ça, à Kinshasa ou en France? Kinshasa, mais j'ai grandi ici en France. Je comprends. D'accord. Dans le Lingala, tu comprends très bien. Oui, je comprends très bien. Comment on dit bonjour en Lingala? Boni. Hey,
jamais. Bonjour, on y va là, Bonnie. Bonnie, wesh. Ah bon? Bonnie, maman, non, bien. Pas. Ben, c'est bonjour. Non. C'est ça va bien. Ah, c'est bonjour. Ah, non. Bonjour, on y va là, c'est quoi? Malamou, c'est bien. Et bonjour, c'est Bonnie. Attends, t'es vraiment une vraie Congolaise? Mais oui, là, Congolaise. Congolaise. Vraie Congolaise. Mais comment oui. On dit bonjour, on y va? Ah, Bonnie, le roi Kula. Non. Oh. Non. Bonjour Onigala, c'est Mbote. Ah, Mbote Malamou, c'est pareil, wesh. Il y a plein de mots. Bonnie, c'est ça va. Ah, c'est pareil. Bon, moi, je connais le Lingala, d'accord. Tout le monde en parle. D'accord. Bon, alors, parle-moi un peu du Congo. Comment tu vois le Congo en tant que Congolaise? Franchement, je vois que c'est. Je pense que c'est un. Ben, je vois le pays qui est en mode. Il n'y a rien là-bas. Il est en mode construction. Il y a plein de choses à faire là-bas. Sauf que le pays, voilà, il est. Mawa trop, tu vois. C'est-à-dire? Genre, c'est triste ce qui se passe là-bas aussi. Il se passe quoi? Les gens, ils souffrent ou comment? Les gens, ils souffrent au pays. Il n'y a pas de travail, il n'y a rien. C'est presque partout en Afrique c'est aussi. C'est ça, hein. Mais tu m'as parlé du Congo, donc on va parler du Congo. Puis c'est un pays très joyeux aussi. Sociable, danseur, gentil. Gentil. Très gentil. Les Congolais sont gentils. Voilà. Et puis voilà, hein. Et il y a aussi la sape, mais les tontons là, ils abusent, hein. Comment? Trop de multicolores, wesh. Mais ça passe quand même ou pas? Bon, avec un peu le charisme, mais bon, ça passe. On est habitué, quoi. On est habitué, c'est les Congolais, on voilà. Connaît. À part ça, il y a le foot, c'est vraiment... Là, il n'y a rien à dire. On est vraiment nuls. Oh là, nul. Là, c'est une Congolaise qui assume, là. On est vraiment nuls, c'est pas la peine. Ils mangent les chikwangs avant d'aller sur le terrain. C'est quoi ça? Ah bon? Oui. Oh. Les joueurs mangent des chikwangs? Oui, ils mangent les foufous, ils mangent les chikwangs avant d'aller sur le terrain. C'est pas normal. Ouais. Ah non, ouais. Faut revoir l'équipe. Ah ouais, d'accord. Oui. Dans le foot, vraiment, c'est chaud. C'est zéro. C'est pas fait pour vous. Ah, nous, on est là que pour danser. Quand c'est la danse, faut parler du Congo. Et c'est ça. Mais quand c'est le sport... Zéro. Et pour finir, t'es au courant de ce qui se passe à l'est du Congo, là, la guerre? Bah ouais, de toute façon, ça finit pas. Hein. Ça finit pas. Un petit message, bah force aux Congolais. Force aux Congolais. Force à nous. Voilà. Que, qu'on fasse en sorte, nous, d'aider... je sais pas comment on va faire, mais... En gros, il faut le dire, Il faut le crier, il faut le dire. Il faut partager. Il faut partager ce qui se passe au Congo, que ça n'arrive plus. On est en 20e siècle, en fait, on est en 2022. Donc voilà, il faudrait que les choses changent. Gucci gang, 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 Gucci gang. Spread the rest on new chains. My bitch love doing cocaine. I fuck a bitch, I forgot her name. I can't vibe in the